moment, on a le droit parfaitement d'avoir de lancer des appels à l'aide. Eh bien, il faut aussi, nous n'exigeons pas une nouvelle culpabilité de ne pas avoir à produire d'invention. Il faut tant d'angoisse pour que quelque chose de nouveau vienne au jour, pour que, en effet, de la répétition vienne le surgissement du nouveau. Notre appui, l'appui qui est le nôtre, l'appui qui est celle qui est celui des parents, dans leur parentalité inventive, ce qui permet l'invention, finalement, c'est le rapport du sujet autiste avec la langue. Ce qui est un paradoxe, mais nous voyons combien c'est le cas différemment selon les sujets de tout l'ensemble du spectre de l'autisme. Mais on l'a vu avec Zoé, lorsque Daniel Rouillon a su utiliser l'équivoque entre vert et le vert comme matériau et le vert la couleur, qui a permis à ce que l'on passe d'une écriture apparemment dans le vide, cette écriture dans le corps, là qui n'était pas l'écriture articulée à l'ordinateur, l'écriture articulée au corps dans lequel, par son invention, son écoute, Daniel Rouillon a su en effet mettre la matière, donner corps à ce qui s'écrivait dans l'air. Mais on a aussi entendu combien Marc Langlois nous a fait entendre que l'orage, l'intérêt de l'orage, vient comme ce qui entoure l'éclair. Et de l'éclair, on est passé au lightning, au flash l'éclair, au flash Gordon. On est passé, flash Gordon, dessin animé qui aussi a structuré mon existence, bien reconnu l'intérêt de ce glissement de l'éclair au centre de ces nuées qui font le centre d'intérêt. On voit comment le glissement à partir de l'équivoque de la langue fait surgir du nouveau, avec les répétitions qui s'y louent, certes. Ça glisse, et puis ça fait des répétitions, des circuits en boucle, comme par exemple Noël 3 fois par an. D'accord. Mais après, ça reglisse. Au fond, il y a eu un petit débat sur cette question. Est-ce une équivoque? Disons que je voudrais... Oui, prendre parti sur le point qu'il me semble qu'au moins il faut reconnaître à cela le statut d'homophonie. Et par exemple, il est certain que la phrase « un berger, c'est quelqu'un qui suit une étoile », ça s'entend que si nous savons qu'il y a une étoile du berger. Et dans la conversation, en effet, c'est accrocher le berger à l'étoile par ce glissement. Et dans la même, on se dit que c'est du même ordre, n'est-ce pas? Le berger, c'est celui qui suit une étoile, c'est du même ordre qu'un passager de A380, c'est quelqu'un qui tient un A380. Ou c'est la même structure que les oiseaux sont en cage car c'est mal de voler. C'est mal de voler parce qu'en effet, ça lui fait mal au cœur de voler. Et qu'il ne pouvait pas supporter de prendre l'avion pour aller en Asie, qu'il aimait tant, etc. Alors, les oiseaux sont en cage, ils sont dans la 380. Eh bien, lui, il invente, en effet, un autre objet au sommet. Et on a la structure de ces phrases qui jouent sur une homophonie. Et, au fond, je n'ai pas tout à fait le lieu, mais je voulais quand même vous faire entendre, enfin, lire moi aussi, moins bien qu'on va faire de la bouillerie, vous lire un passage étrange qui figure dans un texte de Lacan qui s'intitule La Troisième, qui était qu'il a lu en 1975, avant le congrès, qui avait à Rome. Il dit ceci: la langue, c'est ce qui permet que le vœu, le souhait, on considère que ce n'est pas par hasard que ce soit aussi le vœu de vouloir. Troisième personne de l'indicatif. Que le nom niant et le nom nommant.
ça n'est pas non plus par hasard que deux d'apostrophe le X d'avance E qui désigne ceux dont on parle ce soit fait de la même façon que le chiffre 2. Ce n'est pas là pur hasard, ni non plus arbitraire, comme dit Saussure. Là vient le plus étrange. Ouvrez bien les oreilles. La main à l'oreille. Ce qu'il faut y concevoir, c'est le dépôt, l'alluvion, la pétrification qui s'en marque du maniement par un groupe de son expérience inconsciente. Voilà. Si certains d'entre vous se sont intéressés à quelques petits problèmes de linguistique et au cratil, ils sautent au plafond. On a cette idée que l'homophonie n'est pas une homophonie de contingence ou de hasard, une homophonie dans une langue est le dépôt de l'expérience d'un groupe, c'est-à-dire de ceux qui parlent la langue. Vous avez quelque chose chez Lacan, de quelque chose comme les jeux de langage de Wittgenstein, qui disait « nous parlons une langue qu'à condition que dans la langue, il y ait beaucoup de choses qui ne relèvent pas de la langue. » Les jeux de langage, c'est ce qui intègre le langage et ce qui est tout autre que le langage. L'expérience commune de ceux qui parlent. Eh bien, Lacan, à sa façon, transforme cela. Il dit en effet, il ose le dire en 1975, l'importance de l'homophonie en tant qu'elle est ce lieu d'une expérience inconsciente qui se dépose. Eh bien, pour les sujets, et pour les sujets autistes aussi, eh bien oui, il y a aussi quelque chose du même ordre. L'homophonie est le dépôt d'une façon d'être au monde et de vivre ce monde. Quand un tel Grandine nous parle, ou d'autres, Baudron nous parle du mode cognitif du sujet autiste, il y a non seulement le mode cognitif du sujet autiste, il y a son mode d'insertion dans l'autre de la langue en un seul lieu. Non pas le langage qui peut être toute autre chose, et non pas simplement les dimensions de l'instance, disons, de la parole ou de la lettre. Il y a une façon, il y a ce dépôt d'alluvion qui se produit chez lui et qui apparaît dans les exemples si vivants que nous avons entendus aujourd'hui. Alors, si cette journée est en effet si dynamique, ayant sa dynamique propre, il me semble que cela est bien que ce soit la première journée du CERA. On ne sait pas ce qu'est le CERA. On saura ce que sera le CERA. On le saura à la troisième réunion. Quand on dit ça commence la série, ça commence à trois. Mais déjà, on voit que le CERA, c'est comme un incubateur de start-up. Toutes choses bonnes en ce monde, maintenant, sont des incubateurs de start-up. Eh bien, oui aussi, ben, nous aussi. Nous sommes des incubateurs de start-up, d'initiatives singulières, qui, elles, veulent aussi favoriser ce passage de la répétition au nouveau. Nous avons besoin de ces petites sociétés du symptôme, comme disait Daniel Pascarin, pour pouvoir répondre à ces moments fragiles où les glissements entre la répétition et le surgissement du nouveau ne se produisent plus. Lorsqu'il y a stagnation, arrêt, et spécialement, on l'avait avec le Zoé, c'est un cas qui est un symptôme de quelque chose de très profond dans ce passage, en effet, dit au statut d'adulte. Surtout le moment où cesse l'appui qui a été jusque-là possible avec le statut d'enfant. Quelque chose se dessine de nouveau, et là, il y a incontestablement un passage sur lequel il faut faire naître des facilitateurs. Au fond, le CERA, c'est de se pouvoir se parler et mettre en résonance, en écho, la structure originale de l'école de Métis, dont Valérie Guécorajou nous a parlé, et la structure soins-études de Yves-Claude Savé.
Le sérat, ces journées, c'est une façon de voir que se faire partenaire et s'appuyer sur une pratique de la lettre sont deux dimensions qui vont ensemble et qui permettent de passer de la répétition au surgissement du nouveau sans que trop d'angoisse ne soit mobilisée dans ce délicat passage. Finalement, le CERA aujourd'hui a été aussi un incubateur de nouvelles parentalités.